Salut paradoxiennes et paradoxiens, et bienvenue dans Paradox Times, l'émission qui parle de l'actualité de l'univers Joshua Parker. Je suis Kenji Isidore, créateur et interprète du vagabond aux cheveux ébouriffés et aux dents cheloues. Aujourd'hui, nous allons parler de trois choses. Premièrement, le prochain épisode de la série Joshua Parker qui sort le 30 janvier. Deuxièmement, la plateforme de streaming SOFA VOD sur laquelle est diffusée la série Joshua Parker. Et troisièmement, le manga Joshua Parker. Ça fait beaucoup de Joshua Parker quand même. Le manga Joshua Parker qui sortira en 2022. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Où en étions-nous restés dans le précédent épisode de Joshua Parker? Mais oui, Charlie s'est emparé des limbes du paradoxe et la folie a contaminé l'esprit de tous les habitants. Mais a-t-il agit seul ou avait-il des complices? Réponse, le 30 janvier à 21h. Et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez faire quoi? Ah oui, partager l'épisode, liker l'épisode et écrire vos théories dans la section commentaires. Et également, si vous le souhaitez, vous pouvez discuter avec d'autres paradoxiennes et paradoxiens sur le Discord communautaire de l'univers. Je mettrai tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Next! Maintenant, nous allons parler de SOFA VOD. Qu'est-ce que c'est que SOFA VOD? Eh bien, SOFA VOD est une plateforme de streaming type Netflix, mais dédiée à la création indépendante. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire des séries, des longs-métrages, des courts-métrages, mais qui sortent des normes de l'industrie professionnelle et qui sont réalisés par des passionnés tels que moi. Et j'aimerais remercier chaleureusement toute l'équipe de SOFA VOD pour l'opportunité d'avoir la série Joshua Parker sur leur plateforme. Merci beaucoup. Et qui sait? Peut-être qu'il y aura un jour du contenu exclusif Joshua Parker sur la plateforme SOFA VOD. Et maintenant, parlons du manga Joshua Parker. Le manga Joshua Parker sera dessiné par Étienne Léna et scénarisé par mes soins et publié aux éditions Le Lamentin. Merci beaucoup à eux de la confiance qu'ils nous accordent. Le manga Joshua Parker suivra les aventures de Roxane et Joshua et se déroulera dans un univers parallèle à la série. Lorsque le premier tome sera sorti, vous pourrez jouer au jeu des 7 différences entre les deux médias, car ça va être très amusant de voir les ressemblances et les différences. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez d'ores et déjà précommander le premier tome sur Tipeee, le lien est dans la description, et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont déjà précommandé le premier tome. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour être tenu au courant de toute l'actualité, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification à chaque nouveauté. Ensuite, si vous voulez nous suggérer d'autres contenus ou même nous dire si vous avez aimé ce format Paradox Times, n'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire. Et enfin, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir pour nous abonner. Et j'oubliais la chose très importante, abonnez-vous, rejoignez tous nos réseaux et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés qui vont arriver. Merci beaucoup une nouvelle fois d'avoir regardé cette émission et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans les limbes du paradoxe.